Bonjour les enfants! Alors aujourd'hui je vais vous raconter une histoire qui s'appelle L'abri et c'est de Céline Clair et de King Leng. L'abri. C'est le matin. Et quand le matin s'éveille, les maisons se réveillent. Certaines lentement, d'autres doucement, d'autres encore vaillamment. À l'heure des tartines de miel, chacun se tient au courant des dernières nouvelles. Mais une bien mauvaise nouvelle s'annonce. La tempête arrive! La tempête arrive! Pas de panique, il faut se préparer. Ramasser du bois, faire des réserves, chasser les doutes. On se met au travail, vaille que vaille. Il faut se serrer les coudes, coûte que coûte. Chacun est prêt et attend la tempête. Le vent commence à souffler un peu plus fort. Mais ce n'est pas grave. Tout le monde est à l'abri. Petit renard demande. Et si des gens sont dehors? À travers la brume, sous le vent qui hurle, deux ombres s'avancent au loin. Par les lucarnes des maisons, chacun les observe. Qui sont ces gens? Que font-ils là? Que veulent-ils donc? Nos provisions? Nos vêtements? Le vent est froid. En échange d'un peu de thé, pouvons-nous réchauffer nos mains à la flamme de votre feu? Notre feu est épuisé. Allez plutôt voir à côté. Nos ventres ont faim. En échange d'un peu de thé, pouvons-nous avoir quelques biscuits à y tremper? Nous n'avons plus rien à manger. Allez plutôt voir à côté. La nuit est noire. En échange d'un peu de thé, pouvons-nous apaiser nos cœurs à la lumière de votre foyer? Oh, nous sommes déjà bien serrés. Allez plutôt voir à côté. Mais à côté, il n'y a rien, juste la colline. Ce n'est pas grave, dit grand frère. La colline sera peut-être plus accueillante. Tandis qu'ils marchent contre le vent, tandis qu'ils marchent l'un contre l'autre, une voix résonne derrière eux. Attendez! Ces petits renards, il a quand même trouvé quelque chose à donner. Ça ne se mange pas, c'est moins chaud que le feu et aussi moins lumineux. Mais c'est déjà beaucoup, dit grand frère en souriant. Dans la colline, le thermomètre descend encore. Le vent devient tout blanc. Grand frère tend sa main et petit frère tire sa langue. Il neige tant que le sol est bientôt recouvert d'un tapis tout doux. Les ours se regardent en souriant. Ce soir, la neige les sauvera. Dans la maison de renard, c'est la panique. La neige tombe lourdement, si durement qu'elle devient plus menaçante que le vent.
Le toit plie, se tord, résiste encore un peu. Si peu. Il faut sortir. Que vont-ils devenir? Il fait si froid, dit maman renard. Il fait si noir, dit papa renard. Regardez, une lumière brille, dit petit renard. Au fur et à mesure qu'il s'approche, l'air se remplit d'une odeur d'épices, de cannelle et de gingembre. Chacun ferme les yeux et respire à plein poumon. Et enfin, la drôle de lumière est là, devant eux. La neige n'en finit pas de tomber. Le vent n'en finit plus de souffler. Petit renard s'avance et dit bien fort. Le vent est froid, la nuit est noire, en échange de quelques biscuits. Pouvez-vous partager votre abri? La lanterne s'affaiblit, notre abri est petit et nous sommes déjà bien serrés. Mais notre thé réchauffe mieux que n'importe quel feu. Et avec des biscuits, ce sera délicieux. Entrez, entrez. Et c'est ainsi que deux étrangers ont ouvert leur foyer de fortune par une nuit de tempête où on ne voyait pas la lune. Voilà, c'était l'histoire d'aujourd'hui. À bientôt!